أزوف اللون تكلتا سيا وسيا سوي السينما السينما باشير درايس باشير درايس ديون مصدرون السينما يتوسنن سي سورين سي جيرزن ما كتير كيرا نبوثي ديا كان دين في جينا سنة تكال ذربع مغرس 21 يعني سمان من بعد نعاود نعرض سيد 10 مغرس سنة تقولين بوين غاف وسيرو يخدم بن العربي بن مهدي تزعم ذاك الا نطس قبل ذيك سامي تاكيرايا كي كان جان اسيدي سوفور يفرد دي موت الجزائر دان شكي عندنا وين يزدم سلاي سينير اي باشير الزلف لك الزلف لك رشيد، الزلف لا وناك وين وين محسسن نا وين زرن اي سان ميرس بوغ لانفيتاسيون. باشير كي قرن قبل لي ثلاثة بفخر تفات تصيت صغر تصيت يتعقض تصيت ثوريض تصيت زلاض وكني غنوالي ساوينك تجارة يفرد سود منصيب دي تموت للجزائر يعني لكن قرن فرانسيس دو كال فاسون تصيت دير واحد كي كان ولانت وغادي وقال لك الا دون سيفن قال لنا كي كان فوق قرون وانيش كاين الجزائر كثيرا وساند ماشي ديون بن مهدي ذا سيرون وقبل انا راسي سقسيين الدول اللي كان افرويت كسابو ياكين ارديوزان باش يقدر يعيش تنورون Et tout va bien. Sotan! 2 sur 2, deuxième, caméra B. Action Brélie. Attention. Dans le mouvement, et quand le gamin se met à parler, on se décolle vers la droite. Amen. Amen. Et bah, apparemment, ils ont fait plusieurs pharmacies. Quatre. Là, j'ai prévu qu'on règle le cadre, et je leur donne des minutes pour maquillage et finition. On y va? Moteur! Tourne ensemble! Allez, attention, silence! Action! Faut-il démarrer? Action pour le charbon, action pour le charbon, les rounds, action pour le charbon, les rounds. Tout de suite, ce qui est apparu dans les dialogues, c'était que tout d'un coup, Bijard avait une couche sensible. Alors, c'était très intéressant parce que, bon, évidemment, j'ai vu plusieurs émissions où Bijard s'exprimait très très petit parisien comme ça, grand bonhomme qui semblait avoir des idées bien arrêtées sur les choses. Alors ensuite, dans le script, c'est quelqu'un qui se respectait beaucoup à la lecture du scénario, et je crois que dans les mémoires de Bijard, il parle de ce grand respect entre Ben Mehdi et lui-même. 156 sur 3, première. Action. On a trouvé ce livre dans la cellule. Vous aimez lire? Oui. Mais moins quand t'as de douleur autour. Vous voulez du sucre?
capitaine Allaire m'a dit beaucoup de bien de vous. Vous lui avez fait une forte impression. Quand la première occasion où je me sauve, vos hommes m'abattent, c'est ça? Je suis le colonel Bijard. J'ai toujours traité mes adversaires avec loyauté. On a de la crème, tu vois. D'accord. Marquez vos positions dans la figuration. On marque les positions. Action. هي تكلمت عليه في البداية دور محمد عصامي اللي هو في الحركة الوطنية في الأساس وكان في مدينة بسكرة على أساس يأطر شباب للحركة الوطنية وكان من الناس اللي يعني كان الشخصية اللي قابلت العربي بالمهيدي وكان راقبه من خلال طفولته إلى شبابه حتى التسليم للحركة الوطنية المنظمة السرية. N'oublie pas les chaussettes et les chaussures. Voilà, c'est ça. Ok. Moteur. Dans la lèvre touche. 14 sur 1 première. Inch'Allah, تشد لك وتوصل للدار. شوف ولدي. انت صغير وشايل الدنيا. الغش يعمي العينين. والبط يكحل القلوب. انت صغير وشايل الدنيا. حط راسك. وكار مليونير فهمتني؟ اوكي Bédouche, il était un jeune de 20, 21 ans, 22 ans, quand il a commencé à faire partie du groupe Les Révolutionnaires, bah, il était classe, il avait la blague facile, c'était un personnage attachant. Quand il y a des réunions entre les fondateurs de la ALN, c'était la fraîcheur qui donnait au groupe. C'est Mourad. Je n'ai pas de manours. J'ai de la barrette. J'ai de la barrette. J'ai de la barrette. Didouche a de l'haq. Thawra a besoin d'Alman. Drahm. J'ai de la monadlien. J'ai de la barrette. J'ai de la barrette. Durant le tournage, on a senti qu'ils ont fait quelque chose de très très grand, de très très grand. On est des acteurs, on est en train de tourner un film, les personnages, et on a senti que la tâche était très très difficile, hein, très très difficile. Le respect envers ces personnages-là, Z Kber d'une manière indescriptible. كاين مضرب ديسكري وانا نقدروا نهضروا فيه وحدنا كاين Je pensais ces plaies saignantes délaissa à ce moment l'Algérie. Moi, je t'ai vu sur Ben Mehdi. Les gens qui connaissent Ben Mehdi, donc ils ne connaissent pas Ben Mehdi, que je fais moi en film, c'est quelqu'un de très pudique, qui est
Blitz familia, conservateur, donc à peine si l'on regarde la fille. C'est ça, à peine cela. Même dans le théâtre, c'est pas tu la regardes. Tu crois à ce regard. واش درت؟ درت والو، أنا قاعد بكتب في روحي شيرشان وأنت قاعد تمسخر. خسرت لنا كام مسرحية. قاعد تشوف في طفلة. تعرفها؟ تعرفها. Lui, il est Bomboulaïd, moi je suis Mourad. Quand j'ai joué avec Bitat, l'atmosphère c'était autre chose, carrément. Il n'y avait pas ce rapport de proximité avec Mouhrej. La chose que j'ai vu ici, c'est l'ambiance de travail. Dans le cadre vraiment très... on se permet de parler, on se permet d'expliquer, on se permet de chacun il sert les respirations d'air, chacun s'adère. Et c'est ça, je crois que c'est un travail collectif aussi. J'aime bien cette notion de la part de Bachir. Déjà, on prépare déjà bien avant, on discute. On a le feeling. Bach, m'bad, qui nous au plateau. Il y a ces moments de vérité, de sincérité de chacun des comédiens. Un dixième, deux caméras. في عويد متأخر كريم هكذا يجي ما تقلقش على بالنا على الأقل باش يخمم في القضية وراه واجد معاون من كارونسات المهم الحمد لله فهم بلي القبائل بلا بينا ما نقدروا نديروا والو ثاني حنا بلا بينا ما نقدروا نديروا والو خلاص كيما هنا لا لا فورم اللي واخدين فيها بشير سي لو فيرب qui a son importance, c'est-à-dire le khitab siyasi ou le profil de chacun, il a son énergie. Donc c'est ça, c'est des énergies différentes qui imposent un petit peu le pouvoir, c'est-à-dire dans la situation. Il y en a du musique. Merci. Oh,
انه غالد بشير اثني هي ذا سيغو او يفان تقثم سلاي في اللاس ذو قسطان تمتسي اللي يعني زو سوسيو يان ويقاذ كفرحان يان ويقاذ كشمشك انا كيري الدفور هاث الى كراثي دينيض بشير Rachid, c'est normal. C'est après 50 ans d'interdiction, c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre. Effectivement, maintenant, ils vont voir le film en avant-première à Alger, avec beaucoup d'officiels. C'est normal que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, j'ai réussi à sauvegarder mon film. J'ai dû sacrifier une minute et demie, ce qui était le prix à payer. Donc, mais sur deux heures de film, si on l'avait une réplique ou deux, pour moi, c'est pas, ça change rien au film. Voilà, donc j'ai rien sacrifié, j'ai rien lâché. C'est eux qui ont fini par lâcher. Et aujourd'hui, bon, les gens, on peut pas nous empêcher de s'exprimer. Hein. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, j'ai mon film. Les gens l'ont vu à Alger. Voilà, ils ont vu de quel film il s'agit. Donc, il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. C'est leur droit. Et moi, j'ai fait le film que je voulais faire. Voilà, en grosso modo, j'ai fait 99% de films que je voulais faire. Bachir, merci pour les commentaires de Gustant Metzien. Farid Ali, l'aide de Narmas, il y aura d'accord l'aide de 76 les secondes de 2006. Il est voyant, Bachir? C'est la vérité, oui. Ce qui est de Farid, c'est la vérité. C'est... Des choses les 67, les 76 secondes. C'est des insultes, en fait. C'est des insultes entre Ben Bella et Ben Mehdi. C'est des insultes, voilà. Ce que je peux comprendre là-bas pour eux, c'est normal. Hein. On n'est pas... L'Algérie, ce n'est pas une grande démocratie. Il n'y a pas une grande liberté d'expression. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils n'acceptent pas ce genre de réplique. Moi, je suis réalisateur. J'ai fait mon film. Mais on peut comprendre que ces répliques ne passent pas. Ce n'est pas non plus... un drame. Mais il n'y a aucune scène qui a été coupée. Il n'y a pas de scène coupée. Des petites corrections, de beaucoup plus dans les termes. Hein, c'est le vocabulaire, en fait. Certaines phrases qu'ils trouvaient trop dures, offensives. Donc, on a dû arranger un peu, mais ce n'est pas plus. Hein. Mais il n'y a aucune scène qui a été coupée. Hein. Sur le plan budgétaire, Mas Bachir Driyes, Sefner Daken, كيكي واحد 26 مليار تنغلف ميزلس نا مينيستر دا كولتور اي ديفكا كيكي دارني تنغلف ني مغراس نا لي مجاهدين المينيستر يفكا دا كيف كيف اود دونك كيكي غون سو مودو البودجي تدريم سنو سامو يكي يتزاور دي 67 مليار ان سنتيم من الجزائر دا شكا ديفك نزال 3 مليون زورو سنيت لكن انشتكي ذولاش ما نولي اسمو اور لا لوا دو راشيد بوشار بدي فانجو جلاف و 10 18 مليون زورو سنيت داني لوراني لياس سالو دي فانجو جلاف 14 3 دوز جني مليون زورو داني الاخضر حمينه سنيت ضد كريبسكول دي زومبر من ميكان جوج جلاف 16 جانير في كانس زال كيف كيف 1 3 دوز جن دونك الشكير ماشي باس ما تولي la qualité du travail et c'était professionnel c'était un film normalement qui devrait coûter beaucoup plus que ça. C'est un film qui j'ai fait justement il y a, en 2021 j'ai fait une émission avec Radio M avec Adi Hsen, on a parlé de ce budget, c'est-à-dire ce film il aurait pu coûter 15 millions d'euros. Moi je suis producteur exécutif, j'ai travaillé sur un film comme producteur exécutif qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit » d'Alexandre Arcadi. Oui, okay, là où il y a, oui, ça. Et c'est un film qui a coûté 19 millions d'euros. C'est le même sujet, c'est la même époque. Voilà, donc je ne comprends pas je comprends pas pourquoi il y a eu cette polémique sur un film qui a coûté que 3 millions de dollars. Et c'est l'argent pratiquement dépensé en Algérie, parce que toute la partie, voilà, 100%, 90% des budgets étaient dépensés en Algérie. Donc moi, je trouve cette polémique injustifiée. Je ne comprends pas. À la limite, si on avait eu 10 millions d'euros, 12 millions, 15 millions, je peux comprendre la polémique. Mais faire un film sur Ben Mehdi, un film d'époque à 3 millions de dollars, en France, c'est le budget d'un film moyen. Ici, en France, dans vraiment un petit film, un petit budget, 3 millions. Là-bas, ils en ont fait
Mais bon, vous avez compris, hein, les gens qui ont fait cette campagne, vous les connaissez tous. C'est ceux qui ont initié la campagne anti-Zéro Kabyle, ceux qui attaquent la Kabylie. Parce qu'il n'y a pas que Belmehdi, moi aussi, c'est ma personne qui est visée. Hein. C'est plus ma personne qui est visée que le film. Parce qu'en Algérie, il y a une dizaine de réalisateurs qui font des films avec ce budget-là. Rachdi n'arrête pas de faire des films avec le même budget. D'autres réalisateurs, pourquoi il n'y a que ce film qui ressort? Je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Alors qu'il y a chaque année, il y a trois, quatre réalisateurs qui font des films avec le même budget et personne n'en parle. Pourquoi il n'y a que moi qui dois justifier ça? Est-ce que vous trouvez ça normal, quoi? Et pourtant, comme vous l'avez dit, Bachir Darriès, Ahmed Rachdi, il nous a habitués avec des films d'histoire comme Ben Bouleid, Kim Belkacem, qui coûtent probablement plus cher que ça. Donc, mais comme tu nous l'avais dit en 2021, peut-être que ces films ils invitent à la réflexion, n'est-ce pas? Oui, ce film il dérange parce que bon, moi, c'est plus le personnage de Abban qui dérange parce qu'en Algérie, la personne de Abban a été toujours occultée ou classifiée comme un traître quoi par une partie d'historiens de pacotille. Là, les historiens, certains historiens, pas tous, hein, certains historiens officiels comme Belrit, que vous connaissez et comme d'autres. Il considère que Abban Ramadan, il a fait un putsch contre le 1er novembre, contre l'islam, contre la langue arabe, ce qui est faux, hein, c'est complètement faux. Hein. Abban Ramadan n'a jamais fait un putsch contre la langue arabe, ni l'islam, ni rien du tout. Abban Ramadan, c'est pas un anti-islam, c'est pas un anti-arabe. Mais eux, ils ont véhiculé cette idée que Abban Ramadan, c'est un putschiste, c'est un intrus. Ça veut dire qu'ils ont oublié qu'Abban Ramadan, il a fait partie de l'os. Dès la création, qu'il a connu Belmehdi en 47, qu'il a été arrêté en 50, parce qu'il n'a pas été arrêté parce qu'il a cambriolé un colon, il a été arrêté parce qu'il faisait partie de l'os. Et il a fait 5 ans de prison. Il y a très peu de maquisards qui avaient fait 5 ans de prison. Lui, il a fait 5 ans plein. Donc, s'il n'était pas là le 1er novembre, parce qu'il était en prison. C'est pas parce qu'il n'était pas nationaliste. Mais bon, là-bas, l'histoire, elle est falsifiée. Et Abban Ramadan, effectivement, cette personnalité a fait polémique. Donc ce film-là, je pense que c'est la première fois où on réhabilite le personnage de Abban dans un film. Il est important, il est aussi important que Ben Mehdi. Et ça, beaucoup ne l'ont pas digéré. Bizarrement, Bachir, en parlant de Ben Ramadan, donc il sème la polémique des deux côtés. En fait, le Coran dit arabo-baptiste qui lui reproche d'avoir nié l'arabité ou l'islamité. Et le Coran aussi des Kabyles berbéristes qui disent que peut-être Ben Ramadan il a commis une grave erreur, c'est de confier l'hymne national uniquement en arabe et pas en tamazight aussi, autrement on ne serait pas là. Y compris la musique, etc. Alors que le Ekrem elle était encore présent, il aurait dû l'adopter comme étant un hymne national. On aurait sauvé beaucoup, beaucoup de dégâts qui se sont déroulés après le 62. Et le fait qu'il n'a pas mis l'hymne national en Kabyle avec l'arabe aussi, c'est une erreur stratégique. Est-ce que tu es d'accord avec ce Non, tu constat? sais, Rachid, c'est facile, c'est très facile de faire un procès, non, de faire un constat 70 ans après. Ça veut dire Il faut tout. lire le passé à partir du présent, c'est ça? Voilà, on ne peut pas lire le passé, on peut pas analyser le passé avec le recul d'aujourd'hui, c'est impossible. Allez, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, des années 50. D'abord, Abban Ramadan, il n'était pas le chef. Abban Ramadan, il était l'un des. C'est pas lui qui décidait. Abban Ramadan, il faisait partie d'une direction collégiale. Donc c'est pas, il n'avait pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est vrai. On dit que c'est à l'époque, on avait tout fait en deux langues. Effectivement, on n'aurait pas eu le problème d'aujourd'hui. Ça, mais c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas imaginer que l'Algérie allait prendre un tournant après l'indépendance, que Ben Bella allait exclure la majorité. Mais à l'époque, personne ne pouvait l'imaginer. Pour eux, on est là, on a un seul objectif, c'est l'indépendance.
Et quand on aura notre indépendance, on créera notre Algérie à nous, pluriel. À l'époque, ils avaient l'intention de reconnaître les Français d'Algérie, les Juifs d'Algérie qui étaient pour l'indépendance, donc la majorité. Donc, mais sauf que le train a mal tourné. Et ben, il y a l'armée des frontières qui est rentrée. Et Ben Bella a pris le pouvoir. Et les Égyptiens ont mis la main sur Ben Bella. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Mais à l'époque de la guerre, personne n'imaginait, Aben ne pouvait pas imaginer, ni Kélim Belkacem. Vous savez, le CCE, ils étaient presque majoritaires, Kabyle, mais ils ne pouvaient pas imaginer ça. Parce qu'à l'époque, c'était nous sommes Algériens. Et on verra, on décidera de l'avenir de l'Algérie une fois que nous sommes indépendants. Et voilà, mais c'est très facile de faire un procès d'aujourd'hui. Moi, je ne juge pas les gens de l'époque à partir d'aujourd'hui. J'aime pas ça parce que c'est très difficile de se mettre de leur contexte. C'était une guerre atroce, anticolonialiste, et l'objectif, c'était l'indépendance. Et aujourd'hui, effectivement, on peut dire il y a eu telle erreur, telle erreur, telle erreur. C'est pour ça que dans le film, moi, je n'ai pas fait de procès dans le film. Moi, j'ai repris le contexte de l'époque. J'ai repris les conflits qu'ils avaient. J'ai repris la contradiction de leur projet. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que c'est moi qui c'est mes propos, c'est pas mes propos. Moi, j'ai fait parler les personnages. J'ai fait parler les personnages de Ben Mehdi, de Abban, de Krim, de Bakhda, de Ben Bella, de Zirout. J'ai repris exactement ce qui se passait à l'époque, selon les témoignages et les écrits qu'on a pu consulter, ou bien les témoignages qu'on a pu enregistrer à travers les personnalités qui étaient encore vivantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de juger. Hein. Et aujourd'hui, les gens qui disaient Abban, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça, Abban, il était dans une direction collégiale, il ne pouvait rien imposer. Une direction collégiale comme la majorité, enfin, essentiellement Kabyle, Adidoche Mourad, Kim Belkacem, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan politique, ils auraient dû au moins penser à Kerem Messoumazir qui a été écrit par Edir et Amran, qui est le président de ACA, en 1945, bien avant même les Algériens ne connaissent même pas l'arabe classique. Donc, c'est une erreur stratégique ce qu'on lit par-ci par-là dans les réseaux sociaux, même si on ne lit pas l'histoire. Moi, je pense que les erreurs, on ne peut pas encomber ces erreurs au Abban, Ben Mehdi, au Krim. Les erreurs ont été faites le lendemain de l'indépendance. C'est tout. C'est-à-dire, eux, leur objectif, c'était de libérer l'Algérie. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on allait exclure une identité sur l'autre ou une langue. Eux, ils se sont dit, on libère l'Algérie et on verra. Donc, les erreurs ont été commises après l'indépendance. Parce qu'en 62, le lendemain de l'indépendance, tout était possible. Si on avait confié la rédaction de la Constitution, le projet de société de l'époque à des gens sages, on n'aurait pas eu les problèmes qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc le problème entre l'arabe et la majorité n'aurait jamais existé parce qu'il y a beaucoup de gens qui cohabitent avec plusieurs langues, plusieurs… les Algériens, à l'époque, personne n'était contre la majorité, personne n'était contre l'arabité. En Kabylie, on parlait la majorité, on parlait la mazir, l'arabe. Donc, il n'y a pas de problème. Les erreurs ont été commises après l'indépendance. C'est là où les erreurs ont été commises. Quand on a rédigé la Constitution et quand on a commencé à gérer le pays, on a exclu une partie, donc on a favorisé une partie au détriment d'une autre partie. Donc, c'est là où toutes les dérives ont été commises. Bachir, c'est un autre débat, peut-être on pourra en revenir un jour avec des spécialistes là-dessus. Maintenant, restons dans le film. De certains commentaires, puisque vous l'avez vous-même souligné, et même pour moi, tous les maquisards, les révolutionnaires, ils ont la même valeur, hein, qu'ils soient Ben Amran, Lambi Ben Mehdi, Ben Boulaïd, Kim Belkacem, Amber Roche, etc. Mais vous l'avez dit même que la critique le dit aussi, les opinions que Ben Amran était quand même l'architecte de la révolution. Et c'est lui qui peut-être
auquel vous devriez penser faire un film, mais j'imagine la raison pour laquelle vous avez privilégié Abban, l'Arabie Ben Mehdi, qui était trop proche de Abban, c'est que avec le tollé que l'Arabie Ben Mehdi a soulevé, alors n'en parlons pas si vous l'avez vous avez fait pour Abban Ramadan. Donc c'est un commentaire que j'ai lu quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, en faisant un film sur Abban, sur Ben Mehdi, déjà les Moudjahidines eux-mêmes au début, entre eux, ils disaient on a financé un film sur Ben Mehdi. Et il nous fait un film sur Abban. Parce qu'effectivement, dans le film, Abban, il occupe pratiquement la moitié avec Ben Mehdi. Parce que c'est Abban et Ben Mehdi qui avaient initié la grève de 8 jours, qui avaient la bataille d'Alger, après le congrès de la Soumam. Tout ce qui s'était passé en Algérie, ça a été décidé à la Soumam. À la Soumam, c'est Ben Mehdi qui était le secrétaire général, c'est pas Abban. Même si c'est Abban qui est l'architecte, effectivement, qui est à l'origine, à l'initiative de cette plateforme. Mais Ben Mehdi, il avait adhéré. Et il avait adhéré à 100% à cette plateforme de la Soumam qu'il trouvait très fédératrice, très progressiste. D'ailleurs, ce qu'on m'a reproché, beaucoup d'islamistes en Algérie, même après le film. Hein. Parce que vous savez, à la sortie de la projection, il y avait un groupe de députés islamistes qui voulaient faire une pétition contre le film. C'est quoi la raison? Parce que dans le congrès de la Soumam, il y a une réplique Abban Ben Mehdi qui dans la plateforme qui dit que la guerre c'est pas du tout elle n'a aucun caractère religieux, c'est une guerre d'indépendance théologique. Oui, il y en a ça, cet aspect là n'a pas un caractère théologique. Voilà, c'est un caractère un caractère indépendantiste. Voilà. Et là, effectivement, beaucoup de députés n'ont pas aimé parce que pratiquement il y avait 200 députés qui sont venus voir le film, mais ils ne savaient pas du tout quel film aller voir. Pour eux, ils vont voir un film classique de propagande, de glorification, de sacralisation, comme on a l'habitude de faire. Et là, ils ont découvert un autre film et beaucoup n'étaient pas contents. Beaucoup étaient très mal à l'aise hein, parce qu'ils ont découvert ça en plein visage. Quand ils commencent, beaucoup de gens, même les mêmes, quand ils commencent à débattre sur la primauté des politiques sur les militaires, et je peux vous dire que beaucoup ont avalé des couleuvres. Hein. Mmh. Vous aurez dû l'appeler à ce moment-là Abban Ben Mehdi, Abban Tiré Ben Mehdi, le film. Puisque vous dites 50%. Oui, il aurait pu s'appeler comme ça. Oui. Il aurait pu s'appeler comme ça, mais je pense que c'est pas un film qui divise du tout, contrairement à ce que disent les gens. C'est un film fédérateur qui donne à réfléchir. C'est vrai que beaucoup de gens qui sont sortis de la salle, je les ai entendus dire, et si on avait eu Abban et Ben Mehdi après l'indépendance, l'Algérie peut-être serait meilleure que l'Espagne, que l'Italie, que beaucoup d'Européens. Ça, beaucoup de gens l'ont dit à la sortie du film, parce qu'ils ont vu l'intelligence. Ils ont vu l'intelligence que ces gens-là avaient. Ils ont remarqué qu'ils étaient 1000 fois plus intelligents que ceux qui dirigent l'Algérie d'aujourd'hui. Ils avaient des projets, ils avaient des stratégies que les gens d'aujourd'hui, que les dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas. Et ça, on le voit dans le film. Et ça dérange. Ça dérange parce qu'on se dit comment ces gens-là, ils quand même hésitaient. Ils avaient un siècle d'avance sur ceux d'aujourd'hui. Et ça, tout le monde constate ça. C'est parce que bon, pendant 60 ans, on a fait des films que dans les maquis. Mais là, effectivement, on voit des hommes politiques, des diplomates, des intellectuels, des stratèges débattre de l'Algérie, de l'Algérie post-indépendance, comment convaincre les dirigeants internationaux, comment aller poser la question algérienne à l'ONU, comment convaincre les Américains, comment convaincre les pays de l'Est. Ils avaient une vraie stratégie. Donc, ils avaient un vrai projet d'indépendance, et même après. Et ça se voit dans le film. Et puis, on voit aussi Ben Mehdi. On voit Ben Mehdi, c'est un homme qui a une vie privée. Qui a aimé une fille, qui est tombé amoureux d'une fille, qui a eu un coup de foudre pour une fille, qui était acteur. On voit Ben Mehdi dans le film jouer une pièce de théâtre. Il a adapté une pièce de théâtre qui s'appelle Pour la couronne, qui était écrite par un Français qui s'appelle François Copé.
Il l'a adapté à Biskra. Ils ont fait un succès fou. C'est une pièce qui a été interdite par le régime colonial. Et donc ça, aujourd'hui, les gens vont voir un être humain, un beau garçon qui fait du théâtre, qui utilise le théâtre pour sensibiliser, pour réveiller les consciences. Effectivement, ça change. Ça choque certains, mais pour les gens intelligents, ils vont se dire, mais quel progressisme ils avaient, quelle avance, quelle modernité. C'est ça qui dérange. Et puis le discours aussi, dans le film, on le voit, Ben Mehdi, il s'adressait aux Français et disait, nous, on fait pas la guerre contre le peuple français, on fait la guerre contre le colonialisme. Et d'ailleurs, il s'adressait aux Français pour les aider. Il disait aux Français, aidez-nous à se débarrasser de colonialisme et on deviendra les meilleurs amis au monde. C'est une guerre contre le colonialisme. C'est pas une guerre à caractère religieux ni racial, ni c'est une guerre contre le colonialisme. Et voilà, dans le film, c'est visible. Ça plaît pas beaucoup parce que beaucoup ont fait un fonds de commerce pour manipuler les gens. Pour le film aujourd'hui, il remet beaucoup de choses, il casse beaucoup de mythes. On a vu dans le lors de la projection de votre film à l'Opéra d'Alger, en dehors de la présence des officiels, dont le président du Sénat, etc. Donc on a vu aussi la sœur de Ben Mehdi. Quelle a été sa réaction, Bachir, quand elle a vu le film? La sœur de Ben Mehdi, on était un peu en froid. On ne s'est pas parlé pendant 5 ans. À cause de ce film? À cause de ce film, il y a autre chose. Bon, mais en grosso modo, elle a vu le film. Elle m'a fait quelques remarques. Elle m'a dit, je ne suis pas d'accord sur ça. Mais en grosso modo, elle m'a dit, le film, il est très acceptable. Il rend hommage à Ben Mehdi. D'accord. Et elle a vu la réaction du public. Vous savez, dans la salle, il y avait 1600 personnes. C'est incroyable. Sans publicité en plus, hein, sans grande publicité. C'était à huis clos pratiquement, on n'a pas communiqué. Wow. Aucune radio, aucune télévision, aucun journal n'avait annoncé ça. Même des grandes personnalités cinématographiques genre Ethman Eriwet, qui était absent pendant combien d'années, il était présent apparemment. Oui, Ethman Eriwet qui n'a jamais assisté à une avant-première, jamais. Lui, là où il y a la presse, là où il y a le... Il n'aime pas les trucs mondains, toutes les mondanités, il n'aime pas, mais là, il est venu. Et il est venu parce que, en plus, il avait vu le film avant. Ça veut dire qu'il l'a vu pour la deuxième fois. Parce qu'il a aimé le film. Il a aimé le film et ça lui a donné espoir de revenir. Parce que lui, il a été déçu par les films algériens, par le cinéma algérien. Et là, quand il a vu le film pour la première fois, il y a 4 ans, il m'a dit, ça m'a fait réfléchir et... Je suis motivé pour revenir. Donc, il a envie de revenir. Ce film lui a donné l'envie de revenir au cinéma. Et comment vous expliquez finalement ils ont réussi par à l'accepter. C'est quoi d'après vous là? Quelle est la raison qui leur a fait changer d'avis? Je parle du système. Bon, je ça veut dire aujourd'hui ceux qui l'ont interdit ne sont plus là. Ça c'est il y a pas que ça. Hein. Ceux qui l'ont interdit ne sont plus là. Et moi, j'ai utilisé la vérité historique. Ça veut dire ils pouvaient soit ils assumaient la censure, parce que moi, j'ai fait, je ne sais pas si tu as remarqué, Rachid, depuis les trois précédents mois, j'ai fait une pression terrible. Je ne sais pas si tu as remarqué sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai écrit à tout le monde. Hein. J'ai écrit au président, j'ai écrit au premier ministre, j'ai écrit à tout le monde. Donc, j'ai exercé une pression sans précédent. Et donc, à un moment donné, je leur ai dit maintenant, soit vous assumez la censure, je leur ai dit, vous m'avez demandé d'enlever telle réplique. Ça, et je les ai enlevés. Vous me dites, ça choque, ça ne se fait pas, on ne peut pas faire dire ça à Ben Mehdi, il ne peut pas dire ça à Ben Bella, et Ben Bella ne peut pas dire ça à Ben Mehdi. Je lui ai dit, c'est pas grave, ça fait quoi? 2 minutes, hein, et on enlève les 2 minutes. Soit vous diffusez le film, soit vous assumez publiquement, vous dites qu'on censure ce film, il ne sortira jamais. À partir de là, on ira au tribunal, on ira parce qu'il y a un contrat. Au moment que le film a rempli son contrat, si les pouvoirs publics assument la censure, ça veut dire qu'il y a une indemnisation. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis coproducteur, ce n'est pas un film de commande.
Ma société, elle a mis des moyens dans le film. Donc, à un moment donné, soit vous libérez le film, ben soit on ira alors on ira au tribunal. Voilà, ben et moi, eux, ils ont fait beaucoup d'efforts, et moi, j'ai fait des petits efforts, et chacun a fait des petites concessions, et on est tombé d'accord. Dans le film, Béchir, il y avait une scène où il a été mentionné, rappelé la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et de mes politiques sur le militaire. Dans la salle d'opéra, il y a eu de forts applaudissements. Est-ce que c'est vrai? Vous confirmez ça? Ah oui, c'est la vérité. Parce que dans il y avait 1600 personnes. Hein, donc il y avait le tiers, c'était les officiels, les ministères, leurs invités. Il y avait un tiers de l'équipe technique et tout ça. Il y avait l'autre tiers, donc il y a à peu près 500 personnes, qui étaient des anciens hiérarchistes. Bien sûr qu'ils ont applaudi. Ça... Bon, comme nous, à TQ5, ce qui ne regarde, c'est l'aspect linguistique, langue kabyle, l'amazigh, de façon générale, une question de curiosité personnelle, Bachir, c'est que Ben Mehdi, c'est un chaoui, et puis Abanandan, c'est un kabyle, c'est des amis très proches. Sur le plan linguistique, j'aimerais bien savoir avec quelle langue il communiquait, sachant que Aben est paraman, il ne parlait pas bien l'arabe. Eh bien, Aben Mehdi, je ne sais pas s'il parle chaoui ou pas, mais bon, je suis curieux de savoir, de par vos recherches, certainement vous avez interrogé beaucoup de personnes qui le connaissaient, avec quelle langue il communiquait avec Aben Ramadan, en français, en tamazight? Oui. Dans le film, d'ailleurs, on m'a beaucoup reproché ça. Dans Oui. le film, il communiquait pratiquement beaucoup de français, oui. C'est-à-dire, le français était dominant dans les débats entre Ben Mehdi et Abban. Mais contrairement à ce qu'on disait, Abban, il parlait l'arabe. Hein. Je sais pas d'où vous tenez, tu tiens cette information, mais Abban, il Enfin, parlait peut-être l'arabe. à sa jeunesse, oui, parce qu'après, il s'est marié avec une Algéroise, oui, effectivement, il parlait l'arabe. Oui. Oui. Dans le film, c'est vrai que on a beaucoup utilisé le français. D'ailleurs, ça m'a été reproché. Hein. D'accord. Et Ben Mehdi, il parlait l'arabe, hein, parce que j'imagine. Ben Mehdi, il parle l'arabe et français dans le film. D'accord, L'arabe d'accord. dialectal. Hein. Je n'ai pas utilisé une phrase en arabe classique. C'est l'arabe dialectal. Hein. Oui. L'arabe classique est une Oui. langue étrangère, effectivement, à l'Algérie. Voilà. Aussi, parmi les points qui ont semblé un peu polémiques en parlant de trucs de courant Non, arabo-baptiste, ou... Rachid, c'est pas l'arabe. L'arabe, c'est une langue étrangère. C'est-à-dire, Ok, l'arabe et la non. nazirité, maintenant. L'arabe de l'école C'est-à-dire, et il du faut. journal de 20 h, je parle. C'est une elle est Voilà, étrangère. Oh, c'est ça. c'est-à-dire aujourd'hui, l'Algérie, elle est comme ça. L'Algérie aujourd'hui, elle a deux langues. Il faut l'accepter. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a l'arabe et la tamazight. C'est comme ça. Voilà, Mais on doit l'accepter lequel aujourd'hui. arabe dialectal, pas l'arabe du journal de 20 h ou de comment ça Oui, s'appelle de l'arabe l'école. dialectal. Ce qu'on appelle l'arabe algérien, c'est vrai, ça s'est compris pour tous les Algériens. C'est vrai que l'arabe classique, 90% de la société ne le comprend pas, ne le comprennent pas, ça c'est une Exactement. vérité. Nos parents, nos grands-parents, qu'ils soient Saïda, ou qu'ils soient Janet, ou qu'ils soient Djelfa, c'est vrai qu'ils ont du mal avec l'arabe classique, ça c'est une réalité. Mais bon, l'histoire elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, malheureusement, heureusement, il faut prendre les choses positivement. Il faut la langue une langue est toujours riche, est toujours positive. Apprendre une langue, c'est pas une chose négative. Au contraire, aujourd'hui Non. nous sommes ce que nous sommes. Voilà. il faut Je... il faut admettre la réalité Oui, de la oui. société algérienne. Il faut l'admettre aujourd'hui. Moi, je pense personnellement, hein, moi je maîtrise les deux langues, l'arabe et tamazight, et le français, et, enfin d'autres langues aussi. Mais aujourd'hui, l'Algérie, elle est ce qu'elle est. On doit œuvrer pour une cohabitation. On n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. On est obligé de défendre la mazérité et l'arabe la langue arabe qui existe aussi, qui est ancrée dans la société. Sinon on va pas s'entendre. Voilà. On a beaucoup de boulot à faire. Les non-berbérophones devraient accepter cette langue. Voilà, ils ont pas, c'est pas un cadeau, c'est leur devoir d'accepter, comme beaucoup de Kabyles avaient accepté la langue arabe dès l'indépendance. Eux aussi, ils doivent faire des efforts et créer une Algérie diverse, plurielle. Il y a de la place pour tout le monde.
Moi, ça, c'est mon point de vue, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste équilibrer un peu la société, les choses, la culture. C'est vrai que la Kabylie a payé un lourd tribut. 90% des chanteurs kabyles n'ont pas le droit d'exister dans les télévisions publiques. Beaucoup d'éditions kabyles n'arrivent pas à trouver place. Et ça, je trouve ça, c'est anormal, inadmissible. Donc nous, on est là pour essayer de faire avancer l'Algérie dans ce sens-là. Donc, on n'a pas le choix. Nous avons un grand pays, divers, diversifié. On doit aller dans ce sens. Donc, sinon, on va rentrer dans une guerre interminable, des conflits interminables, et voilà, et qui n'arrange personne. Voilà, Rachid. Ça, c'est mon point de vue, hein. Non, 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 c'est un point de vue très respectable. Et pour te dire une chose, Bachir, je pense la même chose à TQ5. Je l'ai toujours dit que, et je le rappelle toujours, que l'Algérie, elle aurait pu être comme l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, où j'ai visité en 2018. J'étais impressionné comment ils ont 11 langues officielles, 11 langues officielles, toutes les religions sont respectées. Et donc l'Algérie, comme tu l'as dit, elle aurait pu être en 62, ça a été géré par des hommes de la trempe de Ben Ramadan et de l'Abbé Ben Mehdi. Elle aurait pu être l'Afrique du Sud aujourd'hui. Comme il a dit Saïd Saïdi, je le répète tout le temps, entre un pays qui a donné Ben Bella et un pays qui a donné Nelson Mandela, il y a une différence parce qu'ils sont de la même génération. Regarde où est-ce qu'elle est l'Afrique du Sud, regarde où est-ce qu'elle est Exact, l'Algérie. exact. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'erreur a été commise après l'indépendance. Voilà. Si on avait, par exemple, Ben Mehdi Abban, on avait Farhat Abbas, on n'aurait pas exclu une composante importante qui est la majorité de la société algérienne. Parce que la majorité, c'est une composante très importante, et pas uniquement Kabylie. Il y a les Bnissnous de Tlemcen, de l'Atlas, de l'Idéen, les Mouzabites, les Targhis, c'est-à-dire la majorité, ce n'est pas la Kabylie, c'est toute l'Algérie. Donc on a exclu l'une des composantes les plus importantes de la société algérienne. Voilà, et on a favorisé une identité à sens unique, ce qui a créé les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas normal que 70 ans après, on continue à débattre. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a certains lobbies qui refusent l'officialisation de la Tamazight. Ça, c'est absurde, alors qu'elle est dans la Constitution. Et c'est pour ça que je trouve que la loi, elle est molle. C'est-à-dire, elle est très dure envers des militants de Tamazight et tout ça. Et elle est très molle par rapport à ces gens qui refusent d'appliquer l'article 3 de la Constitution. L'article 3 de la Constitution, il dit que la Tamazight, c'est une langue officielle. Et pourquoi, quand des gens refusent cette réalité, ben, ils ne sont pas sanctionnés, alors qu'en Kabylie, dès qu'il y a quelqu'un qui dit deux phrases, ben, il est tout de suite harcelé, quoi, par la justice. Et je pense qu'il y a deux poids, deux mesures, quoi. Béchir, c'est très important de préciser parce que vous m'avez mal compris au début. Peut-être je me suis dit, c'est pas que je suis contre l'arabe, au contraire, l'arabe comme toi, je le maîtrise parfaitement, y compris l'arabe classique. J'ai dit comme quoi, lequel arabe? Quand tu vas aller, je te conseille un jour de visiter Malte, la langue algérienne, elle est officielle, elle est écrite en latin. Hein? C'est l'arabe algérien qui est l'arabe officiel au Malte. C'est pas l'arabe, l'arabe de l'Arabie. Oui, je connais, Peut-être. je connais, je connais. Tu connais. Donc, il compte comme les Algériens. C'est vrai, c'est vrai. C'est écrit en latin. Welcome to Speak Maltese. In this video clip, I'm going to show you the numbers in Maltese. Zero. Zero. We had. اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة تمانية تمانية تسعة تسعة عشرة عشرة خداش خداش تناش تسعتاش
تسعتاش عشرين عشرين تلاتين تلاتين تسعين تسعين مية مية ألف ستمية اثنين وعشرين ألف ستمية اثنين وعشرين ألفين واتناش ألفين واتناش تلتلاف سبعمية واحد وثمانين تلتلاف سبعمية واحد وثمانين لي جورنو comme on voit dans cette image-là, c'est écrit en arabe, cool head, etc. Il parle vraiment, j'étais impressionné comment il parle. C'est de ça que je parle, c'est-à-dire... Oui, Rachid. Oui. Rachid, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, si en 62, on avait décidé de créer un vrai projet de société en tenant compte de toutes les réalités algériennes, des composants de la société, des plusieurs, des langues et tout ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est tout a commencé en 62. Une fois qu'on s'est débarrassé du colonialisme, on n'a pas su imposer un projet de société cohérent et qui arrange toutes les franges de la société. Donc l'erreur, c'est pas du tout les chefs de la révolution, c'est ceux qui ont pris les commandes du pays après l'indépendance. Avant de passer à la dernière question, cette question linguistique, je tiens à rappeler. وقالت لي دي سوالين تي كوسان كذا كان شافية بن مايوف تزيري تي دي سوفر نو سانكي من المكان أدلي سيكي تواليم عربيزاسيون بوليتيك لو لانغويسيد aux éditions Coco, elle sera notre invitée, donc je l'ai contactée, elle m'a dit quand bientôt là, on va faire une émission, donc on va parler de cette problématique linguistique. Ceci dit, pour terminer, juste un point avant de clôturer, il y a aussi l'affiche, l'affiche qui a été posée comme problème. Vous avez supprimé le prénom Larbi, apparemment, ils n'ont pas aimé le fait de l'appeler uniquement Ben Mehdi et non pas Larbi Ben Mehdi. Est-ce que vous confirmez ça d'après les commentaires que j'ai lus quelque part? Non, mais ça, pour être franc, moi, l'affiche, je ne suis pas occupé de l'affiche du tout. C'est une affiche qu'ils ont fait à la dernière minute. Mais j'imagine que c'est trop long. C'est pas, comme l'affiche, elle est en deux langues, trois langues même. Je pense que c'est par rapport à l'espace. Ça ne pose pas de problème. Donc, moi, j'ai mon oncle qui s'appelle Mohamed, donc je ne vois pas pourquoi j'enlève. le frère de mon père, il s'appelle Mohamed. Donc, D'accord. Donc, okay. Ça, c'est une question d'infographie, d'espace et tout ça. Mais bon, vous savez, les gens, quand ils collent une étiquette à quelqu'un, on ne peut pas leur enlever ça. Voilà, c'est tout. Ça ne pose aucun problème de remettre le nom complet. Ça ne pose aucun problème. Et pour vous taquiner un petit peu, Bachir, j'ai vu aussi le générique. Malheureusement, il n'y a aucune trace de Tamazight. C'était complètement en arabe. J'aurais dû consacrer un 0,01% du budget du film à déléguer un étudiant de magistère ou doctorat en Tamazight pour te faire un générique en Tamazight, ce qui n'est pas difficile parce que je pose cette question parce qu'il est temps que maintenant nos réalisateurs... Aujourd'hui, il y a une version qui a été montrée. Il y a une version française, il y aura une version anglaise qui existe déjà. Et moi, ça ne me dérangerait pas du tout, au contraire, de faire une version... même sous-titré en tamazight. Mais ça, on pourra le faire. S'il y a une demande, ça ne pose aucun problème. Donc, ça serait bien de donner un budget, parce que c'est le moment que notre langue doit faire vivre, doit créer un peu du travail pour les doublages, pour les sous-titrages, pour le truc là. Ça ne coûte rien. Donc, nous, au TQ5, on donne trop d'importance. Vous l'avez même remarqué. Ah, mais moi, on peut même doubler le film. On peut doubler le film. Enfin, mais ça, c'est en deuxième étape. Donc, aujourd'hui, nous avons fait le film. Mais après, bien sûr qu'il y a une version télévision du film. On va essayer de faire une version tamazight, oui. C'est dans les projets. Parfait. On espère voir le film à Montréal, probablement bientôt. Il y a des négociations actuellement, il y a un travail, il y a des négociations.
pour distribuer le film à Montréal. Donc, on commence par à faire des projections. Je pense qu'à partir du mois de mai, juin, il y aura deux ou trois projections qui seront programmées. Mais pour une éventuelle sortie vers la fin de l'année à Montréal. Et pourquoi pas Ottawa aussi? Oui, quand je dis ouais, le Canada, quoi, là, bien sûr. Là, ça dépend de la demande des distributeurs. Tu sais comment ça se passe. C'est les salles qui. Ça dépend des disponibilités des salles. À Montréal, il y a une demande. Très bien, parfait. Voilà, on vient de. Donc, je vous laisse le dernier mot, Bachir, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, merci pour l'invitation et je demande qu'on arrête de spéculer sur des faux sujets. On a fait un beau film sur la Révolution. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'il y a un film qui traite de l'aspect politique du film, de la Soumam, de la guerre de leadership, des différences des projets de société des uns et des autres. C'est pas la peine d'aller polémiquer sur des choses inutiles. Que les gens attendent de voir le film. Et on débat sur le film, cinéma, on débat sur le cinéma, sur l'histoire, sur le film, au lieu d'aller comme ça dans les polémiques stériles qui ne servent à rien, quoi. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai fait un film pour créer un débat sur l'histoire, sur la mémoire, c'est pas la peine d'aller dans les choses inutiles. On n'a pas besoin de ça déjà. Déjà, ça crée une division. Nous sommes assez divisés comme ça qu'on arrête de se diviser encore davantage. Peut-on espérer un jour voir Béchir Driès réaliser un film sur Massinissa, Jugurtha, Deria, Axel et pourquoi pas Matoub Non, mais Matoub Louna, c'est dans mes projets. Matoub Louna, on devait le faire en 2021. Et on n'a pas eu les autorisations en Algérie. Et puis on l'a retardé. Mais Matoub, bien sûr, Matoub, c'est l'un des projets. Il est déjà écrit. Béchir. Fanmir Farachid. مثل نوين في دقيمني النار مازال ناوي غانوك نصفرحان يمدان يشبان بشير دراية سيدي سفران أسان ويكير بن مهدي أد نولي مادية سادة كامورية التي ناوي ثيك النظام نسيا أن مليل يذس نعدي سنتان نظام ذوذ ماو نظام دينا قيمة ذي ثالويث